Tchad. Nazanga koloba mission na biso ya police te. C'est de maintenir l'ordre public. Nago sécuriser batu na biloko na bango. Tina na biso ya police yango wana. Mais tozo mona batu mingi parmi biso o bazo kende à l'encontre mission na biso. Alors batu ya ndenge wana soki tozwi bango na loba mikonyoso togotia bango na disposition ya justice. Tozali toujours na auditeur na biso o azali wana. Parce que yoso ki ozo kende à l'encontre mission ya police, au lieu qu'on kenge la batuna biloko na bango, okomi ko tracasser bango. Tina no ya police ezate. Parce qu'il faut koyeba ke biso biso police tozali wana po na population. Sans population, police azana musala te. Donc, bofongola matoyi lelo oyo bakoyebisa ngai ke aza kolabo ya bakriminele ayeba ke place na ezali awa te. Puisque nazoyoka nungu-nungu wana, menano nazwi preuve te po soda policier bakangaka esima mokongo te. Menase nayoki nungu-nungu ya bambuma mabe wana. Et je serai intolérable. Nabanza boyoki. Token de rapide. Puisque to sala mwa marche. Journaliste Baza la boue. Nous avions connu quelqu'un de turbulence ici à Lodja, qui a été caractérisé plus par la commission des infractions de vol. Cette recrudescence de la criminalité, c'était plus caractérisé par le vol de moto et des autres effets. Et avec l'appui de la communauté, nous avons fait un effort pour arriver à mettre hors état de nuire ces malfrats, dont j'aurai à vous présenter par groupe. Il s'agit de messieurs aussi Poto et Mala. Nous sommes ici, en l'espace de 3 jours, à voler au moins 4 minutes. Et maintenant, le monsieur ici, Umba Odimba Odimba fils, c'est bien lui le président de tous les malfrats qui sont spécialistes en vol de moto. Il est bien le président. Il a sa suite. Son équipe est composée de 6 personnes. Il s'agit de... Lokanga a volé au bruit. Pour le troisième groupe, il y a Mbuchu Mwamba Joseph, il est spécialiste à la pandère. Il est le voleur de la pandère. Pour le groupe 4, il y a M. Osamba Omanyondo.
pistolet, criminel. Vous avez son pistolet. Vous avez le mal polo. C'est quoi? Également pour les autres. Pour le moment, gouvernement n'a pas à Salaki, gouvernement n'a pas eu. Nous avons eu le ministre intérieur n'a pas eu. Ministre intérieur, il y a eu. 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 Kumbonanga, Monsieur Dover, Anselme Ndji Olonkisi, Nazan ministre intérieur, sécurité et décentralisation. Merci. Nous allons, la ministre Yabanzela, infrastructure, Yewana, Yemokope, à se présenter. Kumbonanga, Tarsis, Kotondoya, Kaekenga. Ministre provincial des infrastructures, travaux publics, reconstruction, transport et voies de communication. Merci. Vous allez, le ministre de la Santé. Ouattala ba santé nabiso yewana. Docteur Tony Elongué, ministre de la Santé, de l'assainissement, des affaires sociales et de l'hygiène publique. Merci. Nous avons un ministre Nabiso, il y a éducation. Est-ce que Nabiso, il faut battre, il faut tout ça. Yewan. Ngai, ministre provincial, Maître Benoît Danja, en charge de éducation, formation professionnelle, emploi, jeunesse, nouvelle citoyenneté, sport et loisirs. Nouvelle technologie de l'information. Merci beaucoup. Scotoza na ministre Nabisso, vraiment, biso petogo koma lokola na lualaba. Lualaba e bongi, likolo ya mine. Ministre Nabisso ya mine, ye wana. Na kombo nanga, Richard Loleha Djihola, ministre provincial en charge de l'industrie, de l'énergie, de l'hydrocarbure, de mines, presse et communication, porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup. Et en gros, je vais vous dire que vous avez
bango nyonso bazali awo eza esengo mingi po bango pe bayokaki bamonaki bazwi pe pasi na bandongolo miso bazotungisa population na biso tosengi na komanda ayela biso bato wana pe apresente biso kombo na nga. Bonjour, merci à tous les fidèles auditeurs de nos différentes chaînes de radio et métal au centre-ville de Loudja. Tout de suite, nous sommes ici au stade de Lumumba devant les porte-parole du gouvernement provincial qui veut donner à la population ses impressions par rapport à l'événement d'aujourd'hui parce que nous avons vu, on a présenté les malfrats devant la population au stade de Lumumba. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, les impressions n'est autre que d'encourager les efforts de la justice, les efforts de la police, de l'armée qui est au service de la population, tel que nous venons de le constater aujourd'hui. Ils nous ont présenté les malfrats et nous attendons la suite du réunion pour les fins de la situation. Merci bien. Que compte le gouvernement faire pour que la population vive en paix? Oui, le gouvernement est en train de s'en charger pour la paix, mais ce qui est passé aujourd'hui, ce n'est que le débit avec l'armée. Ce sont des questions très secrètes qu'on va aborder. On va approfondir là-dessus pour qu'ils aient, comme souhaité, le moyen de mobilité, qu'ils soient renforcés à beaucoup de choses pour l'organisation de leurs services. Excellent, c'est votre dernier mot. Aucun dernier mot. Merci. À vos ordres.